toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel nail art pour les fêtes. Comme vous pouvez le voir, c'est une tête du renne du Père Noël, je trouve ça super mignon. Ça demande pas beaucoup de matériel, juste un cure-dent ou un dotting tool. Et je vous assure que si vous savez faire les points, vous saurez reproduire ce nail art sans difficulté. C'est parti pour le tuto. Donc tout d'abord, je vous conseille vraiment de poser une base avant chaque pose de vernis, surtout comme ici, on va poser du vernis rouge et je vous assure que certains vernis tachent les ongles. Donc voilà, et c'est très difficile d'enlever si votre ongle a adhéré à la couleur, d'enlever les taches que vous pouvez avoir sur les ongles, c'est quasi mission impossible. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, je vais vernir trois de mes ongles, donc le pouce, l'index et le petit doigt en rouge. Si vous avez un vernis rouge plus flash, plus rouge pétant, je vous le conseille, ça fera plus ressortir la déco. Ensuite, je vais vernir le reste de mes ongles en blanc. Donc tout simplement, si vous n'avez pas de blanc, vous pouvez laisser vos ongles naturels, mais ça fera beaucoup moins ressortir le renne du Père Noël, voilà. Ensuite, avec un vernis marron, donc pas trop foncé, je prends l'entre-deux. Je vais venir faire comme deux bosses sur le milieu de mon ongle. Donc faut pas monter trop haut, faut vraiment s'arrêter au milieu de l'ongle. Et je vous assure que c'est pas grave si ce n'est pas parfait, si ça déborde un peu comme moi, c'est pas grave du tout. Directement au pinceau du vernis, vous faites deux gros ronds, voilà, deux grosses bosses. Je vais mettre deux couches puisque mon vernis n'était pas très opaque. Et ensuite avec un dotting tool, je vais reprendre la même couleur et je vais faire les petites oreilles du renne du Père Noël qui sont super mignonnes. Voilà, donc en fait je tapote pour déposer la matière et pareil, si c'est pas parfait, on s'en fiche. Après, avec un vernis taupe, je vous conseille du taupe plutôt que du marron pour bien faire la transition entre les bois et la tête, je vais faire les bois du renne. Donc je prends un dotting tool pareil et je tapote. Et donc je vais faire deux lignes parallèles, c'est pas grave si c'est un petit peu tordu puisque les bois du cerf ne sont jamais parfaits. Donc voilà, après je fais un petit peu des mouvements sur les côtés pour pas laisser deux barres parallèles, pour faire un petit peu plus réaliste comme ça. Je vais faire pareil sur le deuxième. Une fois les bois terminés, je vais utiliser du vernis beige. Vous pouvez prendre du rose, mais pas non plus du rose fluo, je vous conseille, plutôt du beige ou du rose pâle pour faire l'intérieur de l'oreille du cerf, pour donner du relief et du réalisme au dessin. C'est vraiment super. Et voilà, je fais juste un petit point de beige. Ensuite, avec un gros dotting tool, je vais prendre du vernis blanc pour faire les yeux. Vous pouvez faire comme moi, deux gros ronds collés ou sinon un gros et un petit œil pour le côté un petit peu foufou. Mais moi, j'ai pas voulu me risquer puisque c'était la première fois que je faisais cette déco et j'avais un peu peur de la rater. Ensuite, avec un vernis noir et un petit dotting tool, je vais venir faire la pupille à l'intérieur de l'œil blanc, qui est tout simple. Mais évidemment, attendez bien que ça sèche puisque moi je me suis fait avoir plusieurs fois et ça ruine votre nail art que vous passez du temps à faire en quelques secondes. Donc voilà, deux petits points pour faire les yeux et là votre cerf commence à prendre forme. C'est vraiment super mignon, n'est-ce pas? Ensuite, moi je me suis fait avoir puisque mon rouge n'était pas assez opaque, j'ai dû mettre du blanc. Mais ne le faites pas parce que mon nail art a mis des heures à sécher, c'était horrible. Donc prenez tout simplement un vernis rouge qui se voit bien. Et donc avec un dotting tool, moi du coup je vais prendre mon vernis que je vais déposer sur le blanc et vous allez voir ça se voit beaucoup mieux. C'est pas grave encore une fois si ce n'est pas parfait. Comme vous pouvez voir, moi ça a un petit peu débordé sur les côtés, mais c'est vraiment pas grave, on va pas aller détailler, c'est quand même des petits détails minutieux. Donc je finis ça et surtout n'oubliez pas la tranche de votre ongle, normalement je vais vous le montrer. Voilà, n'oubliez pas de faire cette partie de votre ongle, c'est un peu flou mais vous voyez quand même c'est très important. Je trouve que ça finit le nail art et ça peut le faire tenir beaucoup plus longtemps. Donc je fais pareil sur le deuxième cerf et ensuite j'ai complètement oublié de vous filmer, mais je fais tout simplement un petit point blanc, voilà comme ici sur le côté du nez pour donner un petit effet de lumière. C'est pas obligatoire mais je trouve que ça finit quand même la déco et voilà, c'est terminé.